J'avais besoin qu'on me dise, ah, t'es très belle, ah, t'es très bien coiffée. Sauf que quand tu rentres le soir et que tu fermes ta chambre, ah bah, il n'y a personne, t'es seule et t'es malheureuse. Ça, c'était ça la réalité. Donc dehors, mais à l'intérieur, oh. Et Dieu, il veut pas ça. Et ma vie était bâtie sur ça, sur les honneurs que j'avais, sur les paroles, si j'avais besoin de reconnaissance. Dieu, il veut ton cœur, il veut pas ce que l'extérieur voit. Et la parole de Dieu dit que lui, il regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Dieu, il connaît votre avenir est dans sa main, et c'est un avenir glorieux. Vos petitesses, vos blessures ne me font pas peur. Je suis venu pour cela, pour vous guérir et pour enlever le péché du monde. Et Dieu aime les hommes et il les invite à se purifier, à rentrer dans cette vie nouvelle. Mais il ne peut pas nous forcer. Dieu t'aime et alors il te laisse libre. Le Christ, quand il vient dans une vie, nous transforme, nous embrasse du feu. Et de quel feu? Ce feu de son amour. Il nous transforme, il nous embrase et il nous rend passionnés de bien.